êtes marié? Oui. Vous êtes marié? Oui. Votre femme est où? Elle est en Galbidje. Elle est en Galbidje. Oui. Elle n'est pas venue. Oui, elle n'a pas venu. Elle n'a pas venu. D'accord. Oui. Il n'y a pas de problème. Je vous appelle parce que vous avez un problème que vous ne connaissez pas. Oui. Alors je suis en train de parler. Dans votre vie, tout est bloqué. Tout est bloqué. C'est ça. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous êtes venu parce que vous voulez que les choses marchent dans votre vie. Je suis venu que les choses marchent dans votre vie. C'est ça, non? Oui. D'accord. Vous savez, je vais vous dire pourquoi les choses ne marchent pas dans votre vie. C'est parce que il y a une femme avec qui vous étiez avant votre femme avec qui vous êtes maintenant. Oui. Et la femme là, vous vous êtes séparés. Oui. Avec les problèmes. Oui. C'est ça? C'est ça. D'accord. Mais la façon dont vous vous êtes séparés avec elle n'était pas bonne. C'est ça. Hein? C'est ça. Vous n'avez pas été gentil envers elle. C'est ça. Vous l'avez chassé comme on chasse un mouton. C'est ça. Et jusqu'aujourd'hui elle pleure. C'est ça. D'accord. C'est qui que vous appelez Aïssatou? C'est qui Aïssatou? Aïssatou, c'est ma mère. C'est ta mère, elle est où? Elle est à Lagdo. Alors je vois, elle est malade. Elle était malade. Ah, elle est malade, il faut prier pour elle. Hein? Oui. Dada Madonyawa, il faut que je te raje mako, bandu mako yamdai. Oui. Kona non? Bani. Nous sommes dada ma. Aïssatou. Jesus. Bani. Et il y a une fille qu'on voulait que tu épouses. Hein? Et ça, oui. Vous comprenez français, l'homme si. Oui. Il y a une fille qu'on voulait que tu épouses. Mm-hmm. Qui s'appelait Aïssatou comme ta mère. Oui. Hein? Oui. Donc, il y a des beaux frères, mais il y a des beaux frères. Il y a des beaux frères. Et Dada Madono, il dit bonjour. Oh. Odo toi. Odo na lakdo. Nous, il y a des beaux frères. Il y a des beaux frères. Jesus! Ayona Dadama, Halakdo, votre mère a une voisine. Hein? Votre mère, votre maison à Lakdo, votre oui. Mère a une voisine qu'on appelle Ouale. Oui. Hein? Uh-huh. Dadama de Mariketumako, Bansoba Jumako. Oh. Yonamo, Ouale. Oh. Adwandimona. Yandimo. Dendemako. Ndemako Ani. Ouale. Oh. Jesus! Sobajo Dadama de Sira Dadama. Oh. Alors, femme, Mina. Le femme. Yo, nous, merma, à via mon mi vie. Tautama ou aller sur Bajumako. Ou aller de wat dina mon yamdo. Et merma do nyama. Ida merma do nyama yamdo makon au foudignao. Votre mère commence à voir la maladie lorsque son ami ou aller lui apporter à manger. Et elle mange ou aller pas, elle fait les remèdes dans la nourriture. Elle vient donner à votre mère. Parce que votre mère, financièrement, est bien. Elle est quand même bien. Et quand Ouale voit ça, elle est jalouse. Et Ouale a pris le nom de votre mère, Aïssatou. Elle est partie avec son nom, oui. Chez un marabout, qui n'est pas loin de votre maison et que votre mère connaît. Et Ouale est partie avec le nom de votre mère chez ce marabout. C'était un mardi. Elle est d'abord allée le matin à 9h. Elle n'a pas trouvé le marabout. Oui. Elle est repartie le soir à 16h. Quand elle est arrivée à Lakdo, elle a trouvé le marabout chez lui. Elle est entrée dans la maison du marabout avec le nom de votre mère. Elle a demandé au marabout et le marabout qui s'appelle Malam Baba. Oui. Et le marabout qui a son fils qu'on appelle Ishiaku, son oui. Premier fils qui oui. Travaille avec lui. Ta mère connaît Malam Baba à Lakdo. Oui. Tu connais Malam Baba? Je le connais. Tu le connais? Oui. Moi j'ai fait comment pour le connaître? Saint Jésus. Saint Jésus. Jesus! Jesus! L'ami de ta mère est allé là-bas. Quand elle est arrivée comme ça, elle a dit, oh, je veux qu'on vole la chance de Aïssatou, qu'on me donne la chance d'Aïssatou et tout ça. Et puis, Malam Baba fait le remède et il a remis ça. Et il a dit, va mettre dans la nourriture, tu peux donner à Aïssatou. Trois fois, elle a fait ça, une fois, elle a donné à votre mère. Elle est venue avec le beignet dans un plastique transparent. Dans ce plastique, il y avait 7 beignets qu'elle avait achetés. Elle a mis les remèdes dans les beignets. Et elle est venue, elle a donné à votre mère. Votre mère a mangé. Elle est revenue pour la deuxième fois avec la nourriture. Cette fois, c'était avec la bouillie. Elle a donné, votre mère a pris. Troisième fois, c'était comme le pain. Votre mère a pris, c'était accompli. Votre mère tombait malade.
Aujourd'hui, le Seigneur me dit de prier pour votre mère et de prier pour vous. Dès que je prie pour vous, Handelo, vous saurez ce que c'est qu'être croisé un prophète. Vous saurez ce que c'est que croiser un prophète. Merci. Maintenant, je prie avec vous. Hein? Je prie pour vous et le Seigneur vous bénit. Ah. Vous comprenez? Oui. Donnez la main. Père, je prie pour lui que ta grâce soit dans sa vie. Au nom de Jésus. Ouvre les portes fermées de sa vie, je t'en prie. Pray. In Jesus' name. You are free. It is done. Comme il est délivré, tu es aussi délivré au nom souverain de Jésus. Amen.